Ok, re-YouTube. Donc là, on va partir sur les seconds. Le deuxième round. On a du gros monde, on est sur le serveur 7. On a Bad Lulu, Coco et Cap de la team Gamers Origin, Dark de la team Insect, Dank Raptor, Hugo 220, donc ça fait du beau monde. Chez les Lazy, on a Dorian Red et on a Kaku. Donc bon, ça risque de faire mal. On a Wasabi, on a Rocket. Il y a quelques bons joueurs, voilà, donc ça risque de faire mal. Là, l'objectif, c'est d'être top 30 du serveur, a priori. C'est ce qu'on dit les gens. Il y a Bobus, ici, Esti de Corlys. On a Autarus, qu'on a vu juste en dessous. On a Patateux. Donc, il est là, Autarus. Donc, ouais, il faut faire top 30. On sait qu'il va y avoir Pathfinding. Putain, je montrais même pas le jeu, c'est pas grave. On sait qu'il va y avoir Pathfinding, en tout cas. Donc voilà, on a du beau monde, ça va être difficile. Mais bon, il faut focus, hein, dans tous les cas. Donc c'est parti. Dans quelques secondes. C'est pas vraiment parti. C'est full bugué, j'ai genre 0 stats, mais c'est pas grave. Allez manger s'il vous plaît. Je vais fermer la fenêtre pendant ce temps-là. Hop là, voilà, c'était mon plus beau move de la journée. Merci à tous d'avoir vu. allez, il est 20h16, là, gogo. Ils avaient dit 20h15. Achève mon bro, merci BSP. Ça va être difficile, là, par contre, j'ai peur, parce que Pathfinding, ouais, j'ai beaucoup de mal dessus. Donc on verra. Let's hope pour Pathfinding. Je vais remonter la musique, je pense, en vrai. Genre là, la musique, ça doit être mieux, je pense. Parce que sinon, vous allez vous faire chier. Quand ils veulent, hein. Donc sur la prédiction, il y a... Non, je vais pas parler de prédiction, en vrai. Ouais, c'est vrai que Paz risque de décider de notre sort. Allez, c'est parti. La première map, c'est ça, c'est Hands OK Augmenté. Ah non. On pense qu'il y a Hands OK Augmenté, en fait. Et Pédiluve. Oui, let's hope qu'il y aura Pédiluve, parce que Pédiluve, je suis très bon dessus. Ok, il commence par Pathfinding West Taken. C'est bien vu. Je vais essayer de mettre un point. Ça va être difficile. Voilà. GG, c'était cool. Allez. A plus tard, hein. Forever is a melodic future house track with a high energy drop. My goal with this project was to create a song with some fresh sound design. I'm really happy with the final results and I hope you guys enjoy it as well.
Bon, en tout cas, là, ma stratégie va être de full safe. Putain, c'est pas pratique le micro. Hein. Je disais, ma stratégie va être de full safe. En théorie, en full safe-ant, je peux quand même terminer dans la minute 30 ou dans les 2 minutes imparties et donc mettre quelques points. Donc voilà, je vais tenter full safe, histoire de mettre juste un ou deux points et de pas être à zéro. Et voilà. Chrisland are bringing you a track on NCS called Holding On. I was really honoured to find out that Chris actually wanted to work with me. He was an absolute wonder to work with, and there's no surprise as to why he's been on so many huge tracks already. So I obviously jumped at the opportunity. The track is very personal, as it's about being stuck in a loop, living the same old life and being too afraid to take risks to accomplish more. I think that's really resonated with me and Chris and led to the synergy and flow in creating this track. I hope this song clicks with and inspires you guys and causes the same serendipity it did with me. Thank you. Tentative de point. Hey, this is Diamond Eyes here, and you're now about to listen to my new record, Everything. Everything is a record about giving everything you have to somebody who just can't give it back to you. So guys, be strong, be brave, be blessed. All the best, Diamond Eyes. It's in the air, like a blazing flare.
turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Let it come around and let it breathe over me. It's time to go.
Bon bah, j'ai pas mal joué sur cette map, mais à chaque fois je me suis fait niquer, je suis dégoûté. Tant pis, de toute façon je pensais pas mettre de points sur cette map. Y'a plus qu'à espérer que ce soit Pédiluve, je vais mettre des points. Et puis une autre, pas trop mal. BSP qui dit, petit slashiste, non justement je veux pas spoil. Mets le casque avec le micro sur ta nuque, non parce que ça me déconcentre, ça fait un poil lourd. Putain y'a CP Dilu. Allez là on se concentre et là je mets des points. Non, ouais, je suis dégoûté. Je pouvais finir en 13 secondes hein, sur le troisième run. Bon allez, là je me concentre. Allez, je fais ça à chaque fois et là, c'est bon, c'est la remontada. Mais ça va être dur, mais go, j'y crois, cette map, c'est la mienne.
Bon, ça vous l'avez vu, c'est une map que j'aime. Je pouvais pas rêver mieux. Perso, Pédiluve pour rattraper Pathfinding, je ne pouvais pas rêver mieux. Là, je suis refait. Ça fait du bien. Il n'y a plus qu'à espérer que la prochaine, je la joue pas mal. Et ce sera bon. Ok, donc celle-là on l'avait prédit aussi, c'est pour ça que j'étais en train de m'entraîner en The KO en TV4. Là je suis dans la merde. Je suis dans la merde, je vais tenter de safe mais ça va être chaud. Allez là, il suffit de passer le premier saut. Foundation.
Breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it hurts. As I bleed for you, cry for you. J'avais pas le choix de Dell, j'avais pas le temps, c'était certain. C'était galère. Ah, je vous avoue que je me suis fait peur sur la dernière. C'était short. Je me suis fait peur, mais c'est passé. Je finis, je dirais 15 ou 16 si quelqu'un a le retour, je veux bien. J'ai pas vu ma place, mais je crois 15 ou 16. Oh bordel, je suis en sueur.
Je vous mens pas, je suis en sueur. Pathfinding, je l'ai vraiment pas senti bien. C'est con parce que j'avais des bons réflexes. J'étais pas mauvais, hein. Je trouve que j'étais sur une bonne safe. J'étais très très bon par rapport à d'habitude, c'est certain. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. Je suis un peu dégoûté d'avoir loupé le truc quand il me restait 13 secondes. Là, je serais passé. GG Kaku qui pensait ne pas passer. GG Dorian. Perso, je suis en sueur. Et du coup, j'étais pas bien et Pédilu ça m'a sauvé, hein, vraiment. Pédilu, vous l'avez vu, j'ai pris masse points, j'ai fait que des bons runs. Donc franchement, c'était très propre, je suis content de moi. Putain, je tremble et je suis en sueur, no joke. En tout cas, voilà, on passe en troisième. L'objectif c'était top 100, là on va être, je sais plus, on va pas être trop nombreux. Je crois que je vais être pas mal. J'étais pas là pour jouer, j'étais là pour stream les autres et finalement j'ai survécu à Pathfinding West Taken. Donc c'est bien, je suis content de moi. YouTube, je vais vous arrêter là, on se reprend lors des qualifs numéro 3.